Welcome to Comoros. We are here today to celebrate the Regional Blue Economy Day in the Indian Ocean region. A seminar and conference debate on the theme employability in the port sector. This is an important theme as we are concerned with the different employment that the opportunities that we may have in Comoros and the Indian Ocean region. We are having representatives from different agencies, the government, the NGO, the private sector, the customs, and around 50 participants who are going to give their views on the different segments that we are going to have. In Comoros, the port is an essential part, and we hope all the people, all the participants that is going to participate will get some important takeaways. Thank you and watch us for this event. Cet événement rassemble des acteurs clés du secteur portuaire, des représentants gouvernementaux, des experts et des membres de la communauté académique, tous réunis dans un seul but, partager nos connaissances, nos leçons apprises, nos meilleures pratiques et nos nouvelles idées pour améliorer les opportunités d'emploi dans les ports des Comores et de la région. Le secteur portuaire joue un rôle vital dans le développement économique de notre région. Il est une source d'opportunités d'emploi, de croissance, de connectivité. Cependant, nous sommes également conscients des défis auxquels ces secteurs sont confrontés, notamment en termes d'adaptation aux exigences actuelles et futures, des compétitivités sur le marché mondial et d'inclusion de tous les segments de la société. Ce forum débat constitue une plateforme d'échange et de réflexion où nous pouvons discuter ouvertement des défis et des opportunités liées aux emplois dans les ports. Nous avons l'occasion de partager nos expériences, d'apprendre des meilleures pratiques mises en œuvre dans d'autres régions, de renforcer nos partenaires et de formuler des stratégies innovantes pour améliorer l'employabilité dans ce secteur très clé. Au cours de ce forum débat, nous aborderons des questions cruciales telles que l'amélioration des compétences et de la formation professionnelle, la promotion de l'égalité des chances, le renforcement de la collaboration entre les parties prenantes et l'exploration des nouvelles opportunités de développement économique dans le secteur connexe. Nous sommes convaincus que les discussions animées et les idées partagées aujourd'hui contribueront à façon à un avenir plus prometteur pour les emplois dans les ports de notre région. Avant de commencer le débat, nous souhaitons donner l'opportunité à nos interlocuteurs de présenter brièvement. Votre présence aujourd'hui témoigne de votre engagement envers le développement des emplois dans les ports des Comores et de la région de l'océan Indien. Vos expériences, vos connaissances et vos perspectives uniques contribueront à enrichir les discussions et à formuler des recommandations. Je vais donner d'abord la parole à Madame Ramatou, qui est aussi le point focal national adjoint pour le projet sécurité au port. Elle a tout facilité, ce que je peux dire. Monsieur Ramdine, bienvenue aux Comores et nous vous souhaitons un excellent séjour dans notre pays. Merci. Le forum qui nous réunit aujourd'hui est organisé par le Programme régional de sécurité des ports et de la navigation, appelé communément PSP. Pour rappel, le PSP est un programme financé par l'Union européenne, coordonné par la Commission de l'Océan Indien et mis en œuvre par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONUDC, Interpol et l'Organisation maritime internationale, l'OMI. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier la COI à travers le programme PSP d'avoir bien voulu faire cette promotion ici aux Comores. Bon, je ne suis pas spécialiste, je vais laisser les spécialistes universitaires qui sont mieux placés pour vous parler des opportunités, des métiers et d'emplois dans les ports et leur importance pour le développement des économies en général et de l'économie bleue en particulier. Je suis membre de l'ONG Salam.
Un ONG qui milite pour la paix et la sécurité aux Comores et en Afrique de l'Est. C'est Damza Issouf, conseiller technique du directeur général des douanes, chargé des réformes administratives et des affaires juridiques. Roumaï Souaou, Amir Malim. Je suis docteur en économie et enseignante et chef de département d'économie à l'Université des Comores sur la composante de la faculté de droit et des sciences économiques. Monsieur Hamza, quels sont les principaux défis auxquels le secteur portuaire des Comores et de la région de l'océan Indien est confronté en termes d'opportunités d'emploi? Il y a quand même des zones portuaires qui devraient quand même être créées pour qu'on puisse quand même encourager la création, le recrutement des jeunes Comoriens. Par exemple, il y a les zones économiques exclusives où on dit communément zone franche. Ouais. Il y a des entrepôts francs qu'on devrait quand même mettre en place, quel que soit public ou privé. Actuellement, il y en a plusieurs acteurs portuaires. On cite la douane, il y a aussi la Société Comorienne des Ports, il y a Moroni Terminal en tant que concessionnaire de l'État. Il y a même la gendarmerie, il y a l'INRAP, il y a plusieurs entités. Mais il devrait en avoir quand même une entité ou un organe régulateur des activités portuaires. C'est le premier défi. C'est déjà, ça va quand même, c'est un bouffet d'oxygène en matière de création d'emplois. Quelle est votre perspective sur cette question? Il y a pas mal d'étudiants qui sont là, qui sont à la recherche d'emploi. Et donc, parmi les défis, c'est de pouvoir faire en sorte que ces étudiants qui finissent leur formation arrivent à intégrer le monde du travail, le marché du travail. Et quel que soit le domaine, comme on l'a dit, un étudiant peut faire le droit, peut faire l'économie, il peut faire la science, mais il peut trouver un emploi dans le secteur maritime parce que, encore une fois, c'est un domaine qui est large. Et donc, le défi, c'est de pouvoir retenir ces étudiants, de trouver un emploi pour leur donner et qu'il y ait collaboration directe entre l'université ou entre les institutions de formation et les institutions qui travaillent ou qui exercent déjà dans le domaine. Monsieur Mahmoud Sidiki, vous êtes un ONG, vous êtes un membre d'un ONG. Est-ce que vous êtes d'accord avec les différents défis mentionnés par nos acteurs qui sont là? Aujourd'hui, on manque de spécialistes par exemple, pour les installations des aides à la navigation, le système balisage. Je pense qu'on devrait, au niveau des universités, insérer les formations techniques. Il y a pas mal de défis sur quoi on a prononcé. Maintenant, vous, en tant que vous travaillez sur tous ces projets, est-ce que vous pensez qu'on peut pallier ces manquements? Est-ce qu'on peut remonter ces défis? Je crois qu'au port, il y a beaucoup d'administration, il y a une possibilité, il y a une opportunité infinie d'emploi, mais tout ça, il faut d'abord une organisation. Et puis, à partir de là, on peut savoir qui fait quoi, que l'administration fait quoi. Mais s'il y a une structure qui est organisée, elle peut faire des promotions des emplois qui existent et qui peuvent exister, ça, les opportunités. Et à partir de là, comme l'a dit docteur, attirer les jeunes pour travailler dans les secteurs portuaires, pas seulement de sécurité, parce que il n'y a pas que le côté sécuritaire. Il y a le côté douane, il y a le côté manutention, il y a le côté réparation des bateaux, il y a plein d'emplois, d'opportunités d'emploi au niveau des ports. Mais le problème, c'est que les jeunes, ils ne savent pas. Merci. Parmi l'audience, il y a le secrétaire général du ministère des Transports qui est là. Monsieur le secrétaire général, je vais vous poser la question directement. Il y a les manquements, on est tous d'accord. Il y a des défis. Mais ce n'est pas uniquement au niveau du Comore, mais au niveau de l'océan Indien, au niveau de l'Afrique. Est-ce qu'on peut les transformer en opportunités d'emploi? C'est ça ma question pour vous. Les impératifs que nous nous sommes fixés, du moins au niveau du ministère des Transports maritimes,
Il y a trois choses. La sûreté et la sécurité maritime. Deux, la formation des jeunes et faire en sorte que ces jeunes soient intéressés à l'emploi marin. Pas seulement la pêche. Mais il y a beaucoup d'opportunités dans le cadre donc, de ce secteur. Et surtout, avec l'opportunité de projet de l'économie bleue, il y a quand même beaucoup d'opportunités qui puissent aider nos jeunes, les femmes, à la croissance économique et sociale du pays. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Madame veut intervenir, allez. Allez-y, docteur. Quand on parle du métier du port ou dans le domaine de la mer, généralement, il y a une connotation péjorative. On dit qu'ils travaillent au port, donc là, ce sont des activités qui sont presque minimisées. Et donc, ça fait qu'il y a nécessité, au-delà de la formation, mais nécessité de mener une politique de sensibilisation et de valorisation du domaine et du secteur. Quelles sont les meilleures pratiques et les expériences réussies dans d'autres régions ou pays en matière de création d'emplois dans les ports? Là, c'est directement lié au port. Et vous qui a voyagé un peu partout, moi, je pense que c'est un peu important de partager l'expérience au Como ou dans la région. Et puis, on va prendre les interventions de un peu des représentants dans le domaine du port. Au niveau de la douane, dans le cadre de l'OMD, on a un pilier qui s'appelle la gestion coordonnée aux frontières. D'accord. Actuellement, il y a, par exemple, au Comino, on parle de l'opérateur économique agréé. Ce sont des statuts octroyés par l'autorité douanière et reconnus à travers des accords de reconnaissance mutuelle, qui peut être bi ou multilatéral ou régional, ça dépend de reconnaissance. Ça fait partie de l'employabilité parce que, au niveau de l'emploi, quand une entreprise par rapport au nouveau code des investissements, veut avoir le statut de l'opérateur économique agréé, il faut créer plusieurs emplois, il faut un plan d'investissement, il faut une considération en termes d'activité économique et avoir quand même un crédit au niveau national qu'au niveau international. Sur le point de l'employabilité, c'est la numérisation des ports. Si on numérise, c'est vraiment important ce que vous parlez. Si on numérise les ports, les emplois portuaires seront valorisés automatiquement parce que nous sommes dans la révolution numérique. Et puis, ça va diminuer aussi la pénibilité de travail. On aura aussi des emplois qui seront créés parce que tous les bateaux qui vont toucher nos ports seront obligés d'employer des agents de sûreté dans leur bateau. Donc ça, ce sont des emplois qui augmentent. Je vais être direct. Les bonnes pratiques et puis création d'emplois. Comment avoir une synergie entre ces deux? Directement. Oui. Bonjour à tous. Donc, Didier Vandenbon, je suis le directeur général de Moroni Terminal et le président de AGL Comores et représentant de MFC aux Comores. Moi, je vais réagir de façon assez brutale. En tant qu'employeur, on emploie à peu près 200 personnes. Notre problème, ce n'est pas de trouver des gens de l'université. C'est de trouver des gens que vous avez appelés dockers, qui ne sont pas des... Nous, on n'a pas de dockers, quasiment. On a des conducteurs de machines. Or, pour avoir un conducteur de machine, on n'en trouve pas aux Comores. Il faudrait avoir des gens avec des CAP d'électromécaniciens qui puissent être conducteurs de machines. Ouais. On n'a pas besoin de Bac plus 2, Bac plus 5. Des conducteurs de machines, les gens qui conduisent... Parce que nos machines, hein, une grue, 1,5 million hors droit de douane... un riche taker, donc ce qui permet de manipuler les chariots, 500 000 euros hors droits de douane et transport. Donc c'est quand même des machines qui valent une petite fortune. Hein. Excusez-moi, j'ai parlé en euros, mais je pense que tout le monde pourra traduire en franc-comorien. Donc on a besoin de conducteurs de machines. Il faut pouvoir entretenir ces machines qui sont toutes des machines sophistiquées, avec de l'électronique de partout. Oui. Et donc il faut avoir des techniciens qui sont capables, électroniciens, des CAP électroniciens ou des BP. À la rigueur, peut-être des BTS électroniques. Or, on ne trouve pas cette main-d'œuvre localement. Après, si on prend la main-d'œuvre, je dirais, moins qualifiée, on a besoin de gens qui sont capables d'appliquer nos procédures. Ouais. Or, elles sont soit en français, soit en anglais. Oui. Et elles seront bientôt, dans quelques mois, que en langue anglaise, puisqu'on appartient à un groupe où la seule langue qui est utilisée est l'anglais. Ouais.
En système informatique, alors on ne demande pas des informaticiens. On demande des gens qui sont capables d'utiliser des logiciels après une formation. Les logiciels sont, et tous les écrans sont en anglais. Il faut, faut revenir sur les trucs basiques. Ces emplois-là, on ne les trouve pas. Des emplois d'encadrement chez Moroni Terminal ou AGL Comore, il y en a une dizaine qui sont quasiment tous comoriens. Ouais. Et pour répondre à la question du jour, la plupart des femmes du comité de direction, la plupart des membres du comité de direction sont des femmes. La directrice d'opération, la directrice d'opération, la directrice des ressources humaines, la directrice financière. Donc vous voyez, il n'y a pas... Et ce sont des comoriennes. Donc il n'y a pas beaucoup d'expatriés chez Moroni Terminal. Donc il faut quand même être clair là-dessus, c'est les emplois de base, il ne faut pas chercher. Maintenant, vous parlez de développement de l'emploi. Pour développer l'emploi, il faut le développement économique. Oui. Développement économique dans le port, comme pour toute l'économie, nécessite un environnement qui permet le développement de l'emploi. Oui. Ce n'est pas lié au ministère des Transports maritimes, s'il peut aider autant, c'est lié à tout l'environnement des affaires aux Comores. Ouais. Je vous remercie. On va passer aux prochaines questions avant de prendre les différents intervenants. Et là, ma question est, on parle beaucoup de renforcer la collaboration entre les acteurs du secteur portuaire, les décideurs politiques, les institutions académiques pour promouvoir l'employabilité dans le port. Où devrons-nous débuter, madame? D'accord. Merci beaucoup. Et surtout que cette question est en lien avec l'intervention de monsieur tout à l'heure qui a parlé des ressources humaines qui n'est pas qualifiée ou qui n'est pas suffisante au niveau des institutions. Donc là, il faudrait faire une collaboration, une vraie collaboration entre les institutions et là, quand je parle de l'université, c'est-à-dire entre l'université et les autres secteurs. Pourquoi? Parce que c'est vrai, nous sommes université, mais on ne peut pas, l'université donne une formation classique. On ne peut pas donner des formations sectorielles. On n'a pas la possibilité, on n'a pas les moyens et ce n'est pas surtout la mission. Donc nous avons une institution qui est là pour donner des formations classiques et s'il y a besoin au niveau d'un secteur, eh bien c'est le secteur qui peut collaborer avec l'université pour dire que pourquoi ne pas mettre en place une telle formation. Les ONG sont un maillon important. Quand on parle des collaborations des acteurs portuaires, les décideurs politiques, les institutions académiques, il y a aussi les ONG. Mais comment promouvoir cette synergie pour promouvoir l'employabilité dans le port éventuellement? Je pense que on devrait faire la promotion au niveau des jeunes, au niveau des lycées, des collèges et des lycées, parce que la plupart des métiers qu'on a cités ici sont méconnus par les jeunes. Ouais. La plupart des jeunes, ils arrivent, ils ont le bac, par exemple, mais ils ne connaissent pas ce genre de métier. Je pense qu'au niveau des ONG, on peut sensibiliser. Vous êtes dans ce domaine depuis assez longtemps et vous connaissez les différents acteurs. La collaboration est là. Qu'est-ce qu'on peut mieux faire pour avoir plus de synergie, d'efforts et éventuellement pour créer plus d'emplois? Ok, moi je crois que d'abord il devait y avoir une collaboration entre le ministère des Transports maritimes et aériens et le ministère de l'Éducation, puisqu'ils savent quels sont les manquements au niveau des ports. Et à partir de là, collaborer avec l'université et faire des formations, de proposer des formations sur la base des manquements ciblés, des formations ciblées sur les métiers du port. Puisqu'on sait que le port, c'est, on dit port, mais aussi c'est des métiers de la mer. Merci. Parce que c'est à la fois à la mer et sur terre. Et aussi, on peut avoir une autre proposition aussi, faire des formations en alternance entre les sociétés, les agences qui travaillent au niveau des ports et l'université, des jeunes qui veulent, si une fois, faire la sensibilisation des métiers, il y a des jeunes qui veulent travailler au niveau des ports, faire une collaboration avec les sociétés qui travaillent dans la plateforme du port, ouais. Une alternance université et le monde du travail. Pourquoi pas? C'est une piste. Monsieur Hassani, vous qui êtes un expert dans ce domaine,
Je voulais avoir votre avis sur ce sujet pertinent qui touche tous ces acteurs et tous ces secteurs. On ne peut pas parler à tous les problèmes que vous faites face, mais ne serait-ce qu'un minimum. Parce que si on va jusqu'à faire venir des Malgaches et d'autres, parce qu'on n'en a pas, là, ça prouve qu'on a un problème. Il y a un problème, il y a un manquement. C'est ce que je voulais dire. Que le plus important, on a les acteurs, on a le gouvernement, le secrétaire de transport, on a l'université. C'est de savoir qu'est-ce qu'on a besoin réellement à l'immédiat. Monsieur Hassani, il y a le président de l'université de Como qui est là. Monsieur le président, vous avez entendu les différents interlocuteurs et la question est pertinente. Hein? Effectivement, je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour leur dire que j'exprime déjà une satisfaction par rapport à ce forum. En fait, merci. Qu'est-ce que nous, universités, sommes venus chercher ici? C'est d'abord écouter les postes vacants. Écouter les postes vacants et puis pouvoir organiser et proposer des offres de formation qui iront dans ce sens-là. C'est ça notre objectif. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Ça, c'est la première idée. La deuxième, c'est de dire, bon, c'est un appel de pied à monsieur le directeur, il faudra qu'on se voie. Évidemment, les conducteurs de machines, etc. Et c'est des écoles à mettre en place. Donc, je pense que ce rapprochement, c'est déjà une bonne idée. Hein, nous y sommes. Il a témoigné, nous sommes là, tous. Donc, nous prendrons les mesures qu'il faut à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président. Et je vous remercie de commencer le dialogue à partir d'ici. Et comme ça, d'ici un an, comme monsieur Hassani a dit, d'ici deux ans, on peut avoir vraiment une solution ou bien un programme pour mettre en place cette collaboration. J'ai toujours pensé qu'il y a l'intégration, mais il y a aussi la sensibilisation et il y a l'orientation. Et pour ce qui est de l'orientation, c'est de créer une structure. Cette structure doit avoir les gens les représentants de l'université, les représentants de la société civile, comme les associations, l'association Oumessa, bien sûr, et l'association que monsieur représente, le port, ainsi de suite. Donc, ces structures se chargent de l'orientation des jeunes. Je vous remercie. Il y a l'étudiant, le jeune, là. Pour donner l'opportunité, on doit faire l'université comme premier partenaire de toutes les institutions, y compris le douane ou le port. Savoir les besoins. On a besoin de quoi sur nos différentes institutions? Et offrir la possibilité des stages aux universitaires. Possibilité des stages selon les différents domaines, que ce soit administratif ou au niveau sécuritaire. J'ai le sentiment qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui au port. Est-ce que c'est aujourd'hui pour pallier à un problème donné, comme l'a si bien dit le directeur de Moroni Terminal, ou bien on suit le plan Como émergent jusqu'en 2030, auquel cas les emplois ou la formation des jeunes va s'étaler. Et là, c'est le souci du jeune là. Mais je voulais contribuer parce que nous, on a un exemple à peu près similaire. Hein. C'est ce qu'on appelle le service militaire adapté, qu'on a voulu faire et qui malheureusement n'a pas abouti. Ça consiste à prendre des jeunes, mais ça, c'est des jeunes différents, donc des jeunes en échec scolaire, les former dans l'emploi et puis les réinsérer dans la vie professionnelle. Et je crois qu'on peut partir à peu près de cette même base. Parce que nous, on avait commencé à identifier, et ça c'est le souci du jeune au niveau des entreprises nationales, quels sont leurs besoins réels et à partir de ces besoins-là, qu'est-ce qu'on va former? Donc on savait qu'on allait former des jeunes qui tout de suite vont partir dans l'emploi parce que les entreprises en ont besoin, tel que l'a si bien dit le directeur de Moroni Terminal. Et je crois que ce travail-là, en s'inspirant du plan émergent, et là ça concerne le ministère et les départements qui travaillent au port, ils peuvent déjà en amont voir quels sont les besoins réels du pays, qu'est-ce qu'on veut faire de nos ports demain, parce que peut-être ça va s'élargir, hein. On voit aujourd'hui ce qui se passe, mais en 2026, nos ports seront comment? On veut qu'ils arrivent à quel niveau? Et quels sont les emplois futurs? Là, on a parlé effectivement du numérique. Ça, c'est vrai. C'est présent et ça va très vite. Donc, à partir de là, si les services s'organisent et on sait d'où on veut y aller, je crois que avec l'université et avec le département de l'éducation nationale, on peut effectivement faire une promotion des emplois qu'on n'imagine pas, peut-être aujourd'hui. Aujourd'hui,
on a beaucoup de métiers à créer dans nos ports en matière de sécurité civile. Je prends quelques exemples qui sont concrets. Il y a eu le feu à bord d'un bateau qui a été à Moéli. On n'a pu rien faire parce qu'on n'a pas de sécurité civile qui est capable d'intervenir en mer. Nous avons des naufrages souvent de nos bateaux et embarcations vers nos îles. On ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas de sauvetage en matière de sécurité civile en mer. Donc aujourd'hui, la sécurité civile a créé une direction sur la sécurité maritime qui est destinée aux sauvegardes de vies humaines en mer, mais aussi de la sécurité dans nos ports. Le représentant de la douane a soulevé un problème en cas de catastrophe naturelle. Qui fait quoi? Nous avons une partie de réponse dans notre direction et qu'on demande l'appui de tout le monde pour que ça soit une réalité. Merci beaucoup. Je viens d'entendre la sécurité, le lieutenant de la sécurité civile parler. Je partage ce qu'il vient de dire. Je rappelle que moi, je me bats avec la SONED depuis 4 ans. Encore une fois, mes prédécesseurs aussi. Il n'y a pas d'eau au terminal. Donc s'il y avait un incendie, il y a des bornes, mais il n'y a pas d'eau. Bon, M. Hamza, il y a les différents secteurs qui sont connectés avec les industries complémentaires qui pourraient bénéficier du développement du secteur portuaire et créer des opportunités d'emploi supplémentaires. Est-ce que c'est réaliste et réalisable? Vous savez très très bien que nous sommes au port. Actuellement, on travaille d'une manière, on peut dire, informelle. Parce que pour l'instant, il n'y a aucun cadre qui nous fédère. Je fais exprès de partager ce document. Ça, c'est le règlement d'exploitation portuaire. Je crois que ce document-là, s'il est opérationnel, ça va nous permettre aussi même de créer de l'emploi. Parce que si vous lisez ce précieux document, il y a l'employabilité qui est là, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui ne sont pas opérationnelles actuellement au niveau du port, des ports nationaux. En général, c'est parmi les instruments qui poussent aux entités ou aux acteurs portuaires de créer aussi de l'emploi, eu égard leur opérationnalisation. On ne peut pas parler des emplois connexes alors que les emplois normaux qui devaient être occupés sont pas occupés. Les opportunités sont là. Mais en attendant de parler des emplois connexes, il faut parler des emplois, le manquement des emplois. Comment essayer de pallier à ça, au manquement des emplois, avant de parler de connexes, des emplois connexes, c'est mon avis. Encore une fois, ce domaine, ou plutôt le secteur de la mer, c'est un domaine qui est large. Et là, ce sont des domaines où, quand on parle de la pêche, mais il y a une transformation des produits ou des poissons au niveau qui peut être formé, qui peut être exploité pour qu'il y ait de l'emploi. Donc, il y a plusieurs domaines qui entrent. On peut, par exemple, parler aussi de l'hôtellerie ou du transport maritime, parce qu'il y a les échanges, on est une île, on peut facilement organiser des déplacements entre îles, et ça peut créer de l'emploi. Le secteur est en relation avec tous les domaines, et surtout le domaine économique. Il faudrait voir qu'est-ce que vous priorisez, parce que comme on l'a dit, il y a beaucoup plus de secteurs, mais on ne peut pas mener des recherches sans pour autant avoir un objectif bien précis. Qu'est-ce que vous voulez dans quelle période? Et comme ça, on organise, on programme en fonction de la période considérée, en fonction des moyens disponibles et en fonction des objectifs fixés, et bien sûr qui vont être en relation avec l'objectif du pays, avec le plan national du pays. Y a-t-il quelqu'un qui veut intervenir sur cette question? Il y a trois niveaux. Il y a d'abord le niveau politique et le niveau stratégique et le niveau opérationnel. Il fallait qu'il y ait une synergie entre ces trois niveaux, entre le politique, l'opérationnel et le stratégique. Pour moi, les emplois connexes, il faut d'abord promouvoir le secteur privé dans le domaine portuaire. Ça, c'est très important. Par exemple, les activités qu'il y a au port, il y a plusieurs activités. Il y a, par exemple, tout ce qui est manutention. Actuellement, c'est privatisé, c'est le privé. Mais il y a d'autres aussi activités connexes qu'il fallait quand même qu'on essaie de voir comment les améliorer. Donc, le secteur privé, dans ce domaine, il doit être bien encouragé. Et ça a été dit par Mme Ramat, le défi à relever. Mais avant d'encourager le secteur privé, il fallait aussi organiser. Ouais.
organiser le fonctionnement du port, mais aussi la gestion du port et la réglementation. Ça, c'est très important. Parce que s'il n'y a pas une bonne organisation du port et une gestion saine du port et la réglementation, donc je crois que bon, il n'y aura pas un bon départ. Donc, l'environnement juridique est très important. En fait, moi, j'ai un message direct au niveau du secteur privé, aussi aux jeunes ici présents. On a un code des douanes ouvert. C'est un code des douanes harmonisé au code Comesa. Juste pour rappeler que j'encourage aux promoteurs ou aux jeunes de penser à ça, parce que normalement, nous sommes dans une zone hautement stratégique sur le commerce maritime. Vous savez, nous sommes au cœur même du canal de Mozambique. C'est une autoroute maritime. Voilà. Mais juste l'idée, c'est de faire une promotion que le code des douanes n'est pas contraste à toute activité maritime. Il faudrait peut-être passer à la sensibilisation des jeunes. Il faut aussi leur octroyer les moyens nécessaires pour qu'ils puissent créer des entreprises, des activités connexes, oui, bien sûr, oui, leur faciliter la création de ces entreprises-là ou ces activités-là. Et je pense que ça pourrait directement donner une possibilité de création d'emplois. Pourquoi ne pas penser à l'aménagement ou à la création des ports de pêche, des petits ports de pêche au niveau de chaque île? On pourrait peut-être regrouper les régions. Donc, au niveau de chaque île, et puis créer des petits ports de pêche. Et là, ça pourrait faciliter les embarcations et les débarquements des pêcheurs. Ça pourrait créer aussi des métiers sur les statistiques de pêche, sur la qualité sanitaire des produits, sur les conditionnements des produits, l'acheminement, la livraison des produits. De pêche, je veux dire, ça pourrait aussi créer des activités, des tâches sur la sécurité des pêcheurs, la gestion des parkings, des embarcations. Tout ceci pourrait quand même créer un certain nombre d'opportunités pour les jeunes, que ce soit les pêcheurs ou les familles des pêcheurs. Merci. Je vais le compléter parce que là, il y a aussi un problème de structure. Je crois qu'il y a un problème d'aménagement à faire qui permettrait d'abriter des métiers comme la restauration à l'intérieur, comme les agences de voyage, comme plusieurs secteurs privés qui peuvent s'installer, peut-être pas directement sur la façade, là où on voit les gens traîner quand ils partent, mais peut-être un peu en amont pour créer un endroit. Et ça permettrait non seulement de sécuriser, donc de contrôler le flux, comme à l'aéroport, je ne sais pas si vous me comprenez un peu sur ce type d'aménagement. Je crois que ça peut ouvrir aussi d'autres pistes d'emploi. Merci. Docteur, vous travaillez à l'université et la question est ainsi. Quelles sont les mesures nécessaires pour améliorer les compétences et la formation professionnelle des travailleurs du secteur portuaire afin de répondre aux exigences actuelles et futures? Ce n'est pas uniquement les trucs académiques, mais c'est dans le réel. On the job training, comme on le dit là. Pour moi, les mesures, c'est qu'il y ait une complémentarité entre la pratique et la théorie. Les conditions ne permettent pas qu'on abrite toutes les formations. C'est pas possible. Mais plutôt, on peut faire appel à l'université lorsque la formation est dans tel secteur. On fait appel à un praticien, mais on fait appel aussi à un universitaire. Et comme ça, c'est l'université qui va vers le secteur plutôt que ramener le secteur vers l'université, ce qui n'est pas si évident et ce qui n'est pas réalisable à court terme. Comment faire? Quelles sont les mesures qui sont nécessaires pour l'Union de Como et puis pour la région de l'océan Indien? À chaque entité de privilégier la formation professionnelle au niveau dans le cadre des plans stratégiques respectifs. Parce que chaque entité a un plan stratégique. Et nous, par exemple, au niveau de la douane, c'est un pilier stratégique, la formation professionnelle, la valorisation du capital humain. Mais côté pratique, on peut, à travers nos partenaires ou bien en interne, organiser des ateliers ou régulièrement des ateliers qui seront quand même différenciés. Il y a
le cadre fonctionnel, mais il y a aussi le volet opérationnel. Je crois qu'il y a aussi une nécessité d'améliorer le professionnalisme dans les activités portuaires. Il y a, en termes de formation, il y a les exigences actuelles et futures. Hein. Vraiment, qu'est-ce que d'après vous, en tant que représentant du gouvernement, vous pensez les mesures appropriées qu'il faut prendre en considération pour répondre aux compétences pour la formation professionnelle? Merci. En moyen terme, je crois que ce qu'il faut les faire, ça a été déjà dit et répété ici, c'est de mettre en relation entre les ministères de tutelle, c'est-à-dire les ministères de transport et éducation, bien sûr l'université, et les acteurs du domaine de la mer, d'une façon générale, ce que je dis de la mer, c'est-à-dire port et mer, et voir les besoins qu'il y a, et à partir de là, programmer les formations professionnelles et voir la faisabilité en moyen terme, parce que je ne crois pas qu'immédiat ça peut se faire, mais en moyen terme, voir à long terme, comment former les personnes compétentes pour travailler au niveau de la mer et du port. Est-ce que comment vous, en tant que dans le domaine NGO, ONG, vous pouvez aider pour trouver les moyens pour des formations? Il y a déjà des moyens qui existent. Il suffit maintenant de les améliorer parce que le secrétaire général du ministère tout à l'heure a parlé de l'école nationale de la marine marchande. L'État doit mettre l'accent sur cette école qui pourrait aider non seulement les officiers de la marine, mais aussi qui travaillent dans les navires, mais aussi les officiers qui travaillent dans les ports de l'Union de Comores. Nous, on peut accompagner sur la sensibilisation des jeunes sur ces différents métiers pour qu'ils puissent intégrer et les aider aussi à faire les bons choix sur les métiers déjà existants et les métiers à venir. On doit organiser des formations professionnelles pour ces différentes entités, mais aussi et surtout mettre l'accent sur le renforcement des capacités. Tout à l'heure, le secrétaire général du ministère a évoqué la question de l'école nationale de pêche et de la marine marchande. Bon, c'est une école qui a été créée depuis les années 80, mais il se basait surtout sur le côté pêche, uniquement. Mais depuis que la NAM est mise en place, là, nous intervenons dans le domaine de la marine marchande. Et dans ce domaine-là, nous sommes actuellement en train d'élaborer les textes régissant les formations liées au domaine maritime qui seront dispensées dans cette école. Bon, là, il y aura nécessité de collaboration entre l'école de la pêche et l'université. Oui. C'est nécessairement. Il faut aussi privilégier aussi cette partenariat entre les universités de Comores, bien de Comores, avec les autres écoles de la région pour assurer la formation de nos cadres selon les besoins des institutions. La NAM est toujours disposée chaque année au minimum, nous octroyons 2 bourses. Bon, ce n'est pas un financement propre, mais à travers un partenaire international. Sauf cette année, autant pour moi, l'année dernière et cette année, mais nous faisons toujours des campagnes au niveau des universités, que ce soit ici à Moroni, que ce soit à Pati, au niveau d'Anjouan, pour sensibiliser les étudiants sur le métier lié à la mer. Et surtout dans ce domaine de capacity building, la formation, je vous dis, le programme, le PSP, Sécurité aux ports, Sûreté de navigation, on ne travaille pas en isolation. Il y a les différents partenaires de mise en œuvre, il y a l'Interpol, il y a l'ONUDC, il y a l'OMI, et il y a d'autres partenaires parce qu'on travaille conjointement avec la COI et le programme est financé par l'Union européenne. S'il y a des demandes spécifiques, là je m'adresse directement au DG de Moroni Terminal, ou bien les autres acteurs du privé ou bien du public, écrivez à notre point focal national. Si vous avez des demandes spécifiques, comme l'a fait M. Didier, on peut prendre en considération. Je ne vous promets rien, mais s'il y a matière, comment on peut collaborer avec la COI, avec les autres agences, on peut essayer de voir comment pallier ce manquement ou bien comment essayer de trouver une solution pour ces exigences futures. Bon,
Comment pouvons-nous garantir l'égalité des chances en termes d'emploi dans le secteur portuaire, en particulier en ce qui concerne l'inclusion des femmes, des jeunes et des groupes marginalisés? Vraiment, il y a trois parties de cette question. Il y a les femmes, il y a les jeunes et puis les groupes marginalisés. Il faut déjà connaître les métiers du port et de la mer, sensibiliser et une fois fait, former. Si on connaît les métiers, on sensibilise les jeunes, les marginales et les femmes, on les forme, je crois qu'on va diminuer cette différence, on va combler le vide où il y a moins de femmes dans le secteur de la mer. Et de... Madame, vous êtes docteur en économie, vous travaillez depuis longtemps, vous êtes une femme. Et comment pouvons-nous garantir cette égalité des chances dans le secteur en particulier? Secteur portuaire. Est-ce qu'il y a un long bout de chemin à faire? Est-ce que le pays a déjà commencé à pallier vraiment garantir cette égalité? Cette préoccupation d'intégrer les femmes ne va pas durer. Et ça, c'est par expérience de ce que je vois au niveau de l'université, parce qu'il y a plus de jeunes filles que de garçons. Ça, je le dis. Et la question de femme, l'intégration de la femme, moi je considère ça que c'est une question qui est temporaire. C'est vrai, les femmes ne sont pas nombreuses dans les postes politiques, c'est vrai, les femmes ne sont pas nombreuses, mais ça va changer parce que ça dépend des générations. Bien sûr, maintenant si on veut qu'une femme occupe un poste politique, il faudrait quand même que cette femme ait la formation de base, ait-elle. Et ça, c'est un problème qui existait avant. Donc, il faut voir l'histoire des Comores. Il faut voir la culture aussi avant d'intégrer. Donc, cette histoire où la culture commence à changer. Maintenant, toutes les familles envoient leurs enfants, aussi bien filles que garçons, à l'école. Donc, bien sûr qu'après, il y aura beaucoup plus de filles ou beaucoup plus de femmes qui vont occuper des postes. Nous militons pour la paix et la sécurité. Donc, l'égalité des chances est importante pour nous parce que parmi les indicateurs qui ramènent les conflits intervillageois au niveau des pays ou des régions, parmi eux, c'est le chômage des jeunes et autres. On a fait des sensibilisations au niveau des villages sur la nécessité d'insérer les femmes au niveau des formations professionnelles. Quand on parle du secteur portuaire, quand vous regardez les statistiques, c'est pas uniquement au Comores, statistiques mondiaux. Les femmes qui travaillent dans le port, c'est moins de 20%. Mais vous, qui travaillez dans le domaine de la douane, comment garantir cette égalité des chances en termes d'emploi dans le port? Dans mon secteur, on tend ces derniers temps, surtout dans les 10 dernières années, on tend vers une féminisation du métier de douanier. Je crois actuellement, dans les dernières statistiques, on est à peu près 42% des femmes. Mais il y a un contraste sur cet aspect, parce qu'au niveau des postes, aux responsabilités, il y a moins de femmes que d'hommes. Je crois qu'on doit quand même privilégier une culture de leadership en matière de prise de décision, en matière d'affirmation, en matière de conduite au changement. Ici au Comores, heureusement, il n'y a pas une discrimination en termes de traitement. C'est-à-dire quand on parle du salaire, des avantages, tout ça, il n'y a aucune discrimination. Parce que nous qui sommes régis par le statut de la fonction publique, il n'y a pas de grilles indiciaires ou valeurs indiciaires dédiées aux hommes ou dédiées. On perçoit le même. Les avantages sont les mêmes. Ça, c'est sur le plan du secteur privé régi par le Code du travail, je crois que c'est la même chose. Il n'y a aucune discrimination. Maintenant, il reste maintenant aux femmes comoriennes de s'affirmer, de se donner une place au niveau de la société, au niveau de les administrations respectives. Madame, est-ce que vous pensez qu'il y a cette égalité des chances ou bien est-ce qu'on peut faire mieux? J'étais une officière de port en spécialité et puis j'étais avec 14 officiers hommes. J'ai présidé les trois ports pendant 5 ans et par la compétence professionnelle.
Pour moi, je dirais que de faire des formations au sein de nos universités, surtout nous les femmes, parce qu'on peut voir que dans nos universités, on peut voir qu'il y a 60% des étudiants, ce sont des femmes. Donc, il faut faire des formations concernant ce métier. Voilà, merci. Merci. Et avant de clore le débat, je vais laisser la parole aux interlocuteurs pour donner le mot de la fin et surtout pour conclure. Nous tenons à vous remercier et à vous demander de prendre en considération les interventions et les propositions qui émanent de cette séance, parce qu'il y a eu pas mal de propositions, il y a eu pas mal d'échanges, et je crois que ça fait porter beaucoup plus d'informations qui peuvent servir, qui peuvent être orientées, les stratégies, voire même la politique nationale, pourquoi pas. Moi, je voudrais formuler ce souhait devant vous et devant tous les organisateurs, qu'à chaque fois qu'il y ait événement, à chaque fois qu'il y ait échange, qu'on fait appel à l'université ou aux institutions de formation, parce qu'elles ont un rôle à jouer à la réflexion dans tous les domaines. En un mot, normalement, j'appelle à toutes et à tous que vraiment l'avenir de Comores est bleu. C'est-à-dire qu'on parle, on fait référence à l'économie bleue. L'avenir de Comores est bleu. Alors, maintenant, on doit quand même privilégier, n'est-ce pas, cette coloration au profit du développement de notre pays. Ce que je tiens beaucoup plus, je ne peux pas tarder, c'est de réitérer que l'avenir des Comores est bleu. Il faudra mettre en place une coordination entre l'université, les autorités, ministère de transport, ministère de l'éducation et les acteurs des ports pour essayer d'émerger quelque chose. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Tout d'abord, au nom de l'ONG Salam, je vous remercie, monsieur le modérateur. Et je remercie aussi les initiateurs de ce forum qui a été enrichissant. Et tout en rappelant que l'ONG Salam est toujours disponible pour le développement et l'amélioration de ce plateforme. Chers interlocuteurs et participants, et au nom du programme Sécurité pour Sécurité de Navigation, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre précieuse présence et votre soutien lors de ce forum débat sur les emplois dans le port. Votre participation active et votre contribution a été essentielle pour faire cet événement un succès retentissant. Votre engagement en faveur du développement économique et de l'inclusion sociale dans le port des Comores et de la région de l'océan Indien est remarquable. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur votre leadership et votre détermination à créer des opportunités d'emploi durables. Nous sommes également reconnaissants envers les autorités comoriennes pour leurs assistances précieuses et leur soutien continu. Votre engagement en faveur du secteur portuaire est une source d'inspiration pour nous tous. Ensemble, nous pouvons continuer à promouvoir des emplois dans les ports, à renforcer l'économie bleue et à créer un avenir prospère pour tous. Nous espérons avoir l'occasion de collaborer à nouveau dans le futur. Encore une fois, nous vous remercions chaleureusement pour votre participation et votre engagement. Merci. Je pense que c'est un projet régional et financé par l'Union européenne à hauteur de 4 milliards.
Il faut quand même détailler ce que c'est le projet, mais pour plus pour parler de des opportunités d'emploi et de métier dans les ports, au niveau, surtout au niveau du port. Je suis ici dans le cadre des célébrations de la journée régionale de l'économie bleue, décrétée par la COI. Et le thème de cette année, comme vous pouvez le voir, c'est emploi dans les ports. Notre projet qui s'appelle Sécurité portuaire et sécurité de navigation, on a le vecteur, c'est le développement de ports, la sécurisation, et aussi de préparer les jeunes, les moins jeunes, pour les emplois d'avenir. Mais aujourd'hui, on va essayer de focaliser sur les opportunités d'emploi, sur l'importance des ports. Et je vous dis, ce n'est pas uniquement les ports d'Anjouan ou bien de Moroni, mais c'est le port de notre région, de l'Afrique de l'Est. N'oubliez pas, les Comores sont dans une place stratégique entre le Madagascar et puis la Mozambique. Le rôle des ports dans les croissances économiques et création d'emplois, c'est quelque chose vraiment qu'on vit aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement qu'on vit ici au Comores, mais pour essayer de vous faire vivre cela. Vous pouvez avoir un job dans le port. J'ai retenu qu'aujourd'hui, avec cette conférence que M. Rambir nous a présentée, il nous a ouvert les yeux. Nous avons vu que tout domaine peut entrer dans le port, que, comme le président l'a mentionné, il n'y a pas que les dockers, il n'y a pas que les douaniers qui sont dedans, mais la télécommunication, les communications, l'environnement peut entrer dedans. Il peut entrer, c'est-à-dire tous les gens qui ont fait l'environnement ou bien la géographie, ils peuvent être soit agents maritimes ou bien être dans la biodiversité maritime. Et ceux qui ont fait droit, ils peuvent être dans le droit maritime. Donc tout domaine peut entrer dedans. Et c'est ça ce qui est vraiment bien, parce que ça paye bien. Et aussi que nous sommes dans une zone stratégique, le port, notre port, dans l'océan Indien, et que ça va favoriser tous les échanges, tout ce qui se passe, et aussi protéger, avoir la sécurité de notre océan. Aujourd'hui, on parle des Global MBAs, Continental MBAs. Vous faites les études dans différents continents. Ce n'est pas uniquement pour voyager, mais c'est pour comprendre les cultures. C'est pour comprendre comment les différentes industries fonctionnent dans le Moyen-Orient, en Amérique, en Afrique. Comment travailler avec des gens avec les différents backgrounds. On a besoin des compétences, que ce soit la sécurité, que ce soit des trucs maritimes, que ce soit d'un opérateur de conteneurs, que ce soit vous travaillez dans les croisières, parce que c'est connecté avec les ports. Et je peux vous dire aujourd'hui à Maurice, 10% des gens travaillent dans les bateaux de croisière. Moi, c'est que je veux que les jeunes prennent leur destin en main. Il y a pas mal de secteurs qui sont connectés au secteur du port et vraiment, le port n'opère pas en isolation. Le jeune doit comprendre, il y a le secteur touristique, le secteur logistique, la numérisation, la digitalisation qui sont interconnectés. Il y a aussi la douane, il y a d'autres agences qui sont connectées au port. Et il y a pas mal d'emplois qui sont là, qui sont disposés pour les jeunes. Les jeunes doivent venir, doivent travailler, doivent être formés. Et c'est pour cela qu'on a fait cette session interactive à l'Université de Comores, pour qu'ils se sensibilisent et pour qu'ils comprennent l'importance que joue le port dans le secteur économique d'un pays.